Vamos to Mexico! Je suis quasi prêt. En haut, je suis en tenue d'hiver. En bas, je suis en tenue pour les tropiques. On va préparer la valise ensemble. Oh, ce soleil, toujours en train de gâcher la lumière que je suis. Vamos! J'ai acheté plein de petites chemises. Vamos, chupalpoya! Tricolores. Verde, naranja, blanco. Vous avez vu comment je parle bien espagnol? Et ça fait un mois que j'apprends l'espagnol. Heureusement que je sais des mots. Je me suis acheté des slips. Oh, je porte jamais de slips. Oh, la dégaine. Bello! On attend pas Patrick! Bon, c'est le jour du grand départ. Là, j'attends mon rendez-vous pour l'antigénique. On va mettre encore l'espèce de tige là qui fait 3 mètres de long qui va jusqu'à ton âme te bousiller les organes. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Nolto no. Ben là, on est arrivé à l'hôtel. On est à Orly. Alors l'hôtel, franchement, je vais pas être méchant, mais j'ai jamais vu ça. Bon, il restait des traces de caca dans les toilettes et il y avait une araignée. Là, vraiment, le respect, il est mort. Heureusement qu'on est là que pour 4 ou 5 heures et après, on se barre. Bon, il est 5 heures du matin. La nuit, horrible. Le bruit de la VMC, horrible. Une horreur. Bon, je vais arrêter de me plaindre quand même, je suis au Mexique. Mais vraiment, bon, mais baffez-moi. Voilà. Bon, on est arrivé au... On est où, là? On est à la porte à 37 pour aller à Miami, après à Miami-Cancun. Il s'est fait arrêter, lui, là. Il a sonné la chouma, quoi. Mais enfin, bon, écoutez, c'est comme ça. Moi, je suis passé. Il y avait le douanier. C'est comme ça qu'on dit? Douanier? Doyen? Bon, bref, le garde. Le gendarme? Bon, le mec à la frontière, à la Jonquière. Il était fraîchement mignon. Qu'est-ce que tu filmes? Monsieur, bonjour. On n'est pas là, moi, je veux ça. 155 à des stations. On n'est pas en business. Pourquoi il parle pas, le caméraman, il est mort. Là, quand il faut, il faut. Eh ben, bon courage à elle derrière. Bon, ben, on est bien arrivé à l'hôtel. Une galère, je vous ai pas raconté, mais alors j'ai frôlé 46 crises de panique. J'ai dû tout faire, il a rien fait. J'ai dû tout faire. Non, en vrai, j'étais clairement un handicap. J'ai rien foutu. Je me suis laissé traîner d'un avion à l'autre. J'ai rien branlé. J'ai rien foutu. Mais alors, j'ai perdu mon passeport à la douane américaine. Impossible de le retrouver. Je vais voir le flic. Alors déjà, moi, avec mon anglais moyen, je dis I think I lost his passport. Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit ah oui, mais vous en avez besoin. You need your passport. Et moi, j'étais là si oui yes. Et il marchait. J'étais là mais où il va? Et je le suis. Moi j'étais là mais on va pas faire le tour de l'aéroport. Et à un moment donné il ouvre un meuble et il y avait mon passeport dedans. En fait il était tombé et il l'a récupéré. Il m'a dit faites gaffe la prochaine fois en anglais. Be careful for the next time. Et là on roule en jeep, demain on vous montrera. Je conduis pas moi, vous connaissez déjà avec une Fiat 500 j'arrive pas à sortir d'un parking. Alors que là la jeep je la roule en Y. Demain j'ai hâte de voir parce qu'on a pas vu, il fait nuit donc on voit pas vraiment l'hôtel et tout. Mais ça promet d'être beau, on est en pleine savane. Là on a chacun notre lit parce que là moi je dors pas avec quelqu'un. C'est bon moi je supporte pas. Je vois cette plante. Et je sais pas, elle me fait peur. J'arrive pas à comprendre le but de cette plante. Si tu vuela no volare, que va pasar mañana no sé, pero el le quiero envejece. I love you forever. Tout va bien, il y a un bateau dans l'hôtel maintenant. On aura tout vu quoi. Alors là, il est 13h. En l'inclusive, ça comprend l'alcool. J'en suis déjà à 2 verres de caipirinha. Je pense que je vais finir au rond moi avant la fin. Là, on boit une cerveza, mais tout est compris. Voilà. Bon, bah, faut peut-être que je me limite sur l'alcool par contre, parce qu'apparemment, je sais pas manger. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fuere un tortura perdente. Mon Dieu Seigneur, j'ai raté une marche et j'ai failli m'étaler la gueule. Une marche, je l'ai pas vue. Je pense que je bois trop là. Bienvenue dans Enquête exclusive, Nolito, vol à l'arraché de serviettes. Enquête signée Bernard de l'Habitadière. Moi, je me mets à voler des serviettes maintenant. Ça, je suis tellement que ça m'a fatigué de garder deux serviettes. Allez, vamos. Sont les transats.
non, mais calme-toi là. Vous voyez, c'est ça les feux. Tu, normalement, en France, tu t'arrêtes au feu. Et nous, ben voilà, on s'arrêtait un peu au milieu de la route et il y avait les flics. Et hé hey, mais t'étais pas obligé de démarrer comme ça là. Mais t'es taré, mon pauvre. Tiens, je vais m'entendre comment je suis exécrable. Je vais m'entendre des vidéos, je dis, je suis monstrueux. Effectivement, je suis exécrable, je le reconnais. Tu fais gaffe, il y a un stop, hein. Il y a un stop, hein. Et hé hey, fais gaffe, il y a une moto qui arrive comme un taré là. Bon, il arrivait pas comme un taré. J'ai envie de vous apprendre un petit truc en espagnol. Culo ardiendo. Culo ardiendo, ça veut dire cul brûlant. Bon ben voilà, on n'a pas payé, du coup ils nous ont enchaîné la voiture, on peut plus partir parce qu'on n'a pas payé le parkmètre, on n'avait pas de 10 euros, on n'avait pas de pièces. On s'est dit vas-y, on se fera pas choper et voilà. Et on va payer 500 combien? 580 pesos. C'est parti! Vamos, vamos! Là, je tiens plus là. Les banques ne voulaient pas qu'on retire. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça fait 2 heures. J'ai ma vessie qui va éclater. Là, maintenant, on doit appeler un numéro pour qu'ils viennent débloquer les pneus là. Le numéro ne marche pas, bien entendu. Et là, on essaie d'appeler un numéro. Ça fait tout. Ça marche pas, ta mère. Ça marche pas. Bon, alors les numéros ne marchent pas. Maintenant, nous allons à la police carrément. On cherche la police dans les rues. Pour vous tenir informé de ma vessie, je pense qu'elle a éclaté dans mon ventre. Ça, c'est le pipi qui est là depuis 3 heures. Por favor. Baños, por favor. Baños. Est-ce que vous le voyez? Que vraiment, ils se font bien dans la masse. Hein. Genre, t'es assis, tranquille, comme ça, tu vois, tu bronzes, et là, t'as quelqu'un qui arrive, oh là! Do you want some... Enfin, vous voulez quelque chose? Je suis là, oh, mojito. Et t'as fini, ils sont là... Hola, vous voulez quelque chose? Caperine, hola, vous voulez quelque chose? Margarita, hola, Et en fait, on fait que boire. Moi, j'aime pas refuser. Mais après, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faut faire très gaffe. Hein. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, faisant, hasta luego, faisant, hasta luego, hasta luego, bam bam. Ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4KTT. Puis c'était là la banale et ça fait Zumba, café. Mais putain, mais tu me comptes. Franchement, ça aurait tapé son meilleur prix. Sprint la Bambi là. Mais comment ça se fait que t'as une poche à caca de Pamela dans ta poche? Ah ouais? Mais quoi? Pourquoi t'as une poche à caca de Pamela dans tes poches? Je sais pas. Attendez, je vais essayer de faire l'espagnol. Tu peux me filmer? C'est moi la star ici. Ici, c'est moi la star, c'est pas les palmiers. Por favor, no alimente a los animales. Algunos alimentos son tóxicos para ellos. Gracias. Je suis Mike Horn et nous allons casser non des culs, mais des arbres. Vous avez la liane banane. La liane banane, elle vous permet de vous arranger. Enfin, je vais arrêter, je vais me casser. C'était une blague, c'était pour voir si vous suiviez. C'est la liane pool dance. Vous entendez les bruits de musique? Ce sont la tribu de Dana mexicaine. Oh là! Il vient en paix. Tequila! Tequila, 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 bomba! Ça s'appelle une tempête tropicale. Vous entendez? Il y a des singes par là. Oh la viande! Aïe, aïe, aïe! Une grosse araignée, il y a un truc qui m'a touché les doigts, là, regarde ça! Qu'est-ce que c'est ça? Mais t'as vu la gueule que ça? C'est pas une araignée, c'est quoi cette merde? Il y a vraiment des trucs sur Terre, ça, je me demande à quoi ça sert. Hein. Voilà, ça c'est la beauté du Mexique. Non, il pleut 4 jours en février, et nous sommes là, et nous avons eu la chance d'avoir la pluie. Quoi? T'as dit quoi? Alors, attends, non, attends, sérieusement. Canada, États-Unis, Mexique, Brésil. Le Brésil, il est à la frontière du Mexique, non? Je comprends pas là. Bah dis-moi alors, vas-y. Vas-y, Mike Horn, derrière la caméra. Mais le Brésil, c'est en Amérique du Sud. Oui, mais je veux dire, la frontière du Mexique, c'est quoi qui touche la frontière du Mexique en C'est le Guatemala. Je viens de vérifier et effectivement, le Mexique n'est pas du tout collé au Brésil. L'erreur est humaine. Je suis humain. Donc maintenant, on va fermer sa gueule, on va faire comme si je n'avais pas dit de conneries et nous allons continuer dans la savane. Dans la jungle. Bah, moi, je vais enchaîner les merdes. Je vais enchaîner dans la savane. Chevreuil en espagnol, je sais comment on dit. On dit chevrillol. Mais regarde, un singe. C'est pas vrai. Alors attendez, faut zozoter comme les Espagnols. Edificaciones. Edificaciones. Edificaciones coloniales, más antiguas de México. 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 C'est de su noche la fecha exacta de su construcción. La construcción. D'onde está la construcción?
C'est un singe qui a fait ça? C'est l'être humain. L'être humain, quoi. C'est hallucinant, quoi. Coupe la caméra parce que là vraiment il faut. On va aller à l'habitation, de la construction, des colonias. C'est ça la construction? Non, là il faut pas déconner tout ça. Il y a trop cailloux quoi. Pas des Portugais, les Mexicains. Et en l'habitation, ouvert, parce qu'il fait toujours beau, comme vous voyez. Pas besoin de toi. Et en l'habitation. En l'habitation. You have. Non. Ah. Il faisait quelle taille à cette époque? Non mais attends, je suis 1m60, 1m62. Hola! Es ma habitación. Je vivar ici, aquí, y je suis le grand rey. Ah, tu filmes, je savais pas. Je voulais juste filmer les vagues. Putain, mais c'est pas vrai quoi. En plus, comme il fait beau, ça va sécher vite. C'est ça qui est bien. Ah ben il pleut. Ah ben comme ça. Comme ça, ça va sécher encore plus vite. Oh tcha tcha. Y'a pas moyen tcha tcha. Oh tcha tcha. Donc Tatiana bébé, tu t'es de ça. Bonjour mes amours. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau tuto make-up à la mexicaine. Los Días de Muertas. Non, Los Días de los Muertos. Día de Muertos. Día de Muertos. Si, si, naranja, jugo de naranja. Je vais parler espagnol pendant le maquillage. On va commencer. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer. Je vais ressembler à une tache d'huile, plus qu'autre chose. Ça marche? Non. Je te l'avais dit que tu iras avec les doigts. J'en étais sûre. Aplicade la colore negro. Arrête de bouger. Il va me crever un œil, l'abruti. Mais il faut que je ferme mes paupières. Oui. Ben dis-le-moi. Non, mais moi, je dois deviner. Alors, je dois faire mal les paupières. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous chanter une musique espagnole. Là, j'ai l'impression que tu joues ta vie, là. Vraiment, t'es concentré. Je t'ai jamais vu aussi concentré. Waka 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 e e. Waka 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 e. Aïe. Allez, arrête de bouger. Et. Bouh. On fait. Je suis gênée, là. Fous-moi la paix. Espèce de sociopathe en alpha. Non mais avec des doigts, toujours plus. Toi aussi t'as pas le matériel adéquat donc... Bah désolé, je vais pas au Mexique avec tout mon vanity. Ah, oh, on dirait Lady Gaga quand elle est allée au Japon et qu'elle s'est trompée. Elle avait fait le panda alors que c'est la Chine. Elle était allée au Japon avec les couleurs du panda. Tu me bouges à chaque fois, ça va être très horrible. Oh là, vous avez vu comment il est exécrable? Vraiment des amis en carton, il me maltraite. Je paye quand même 1000€ la vidéo. Hein. MDR, ouais. Bah j'offre déjà ma présence, c'est pas mal. Hein. Franchement, en vacances, je suis... C'est bien être en vacances avec moi. J'ai oublié de répondre. Non, 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 là, l'erreur que tu fais, là. Va falloir que tu repasses sur du noir, il fallait faire la base blanche en premier. Et après, on met le noir dessus. Là, ça va faire du caca Bouddha. Tu sais où on pourra faire la photo? Sur le balcon, regarde avec l'arbre et tout, ça peut être joli. Hein? Et, voilà, vous savez, j'ai l'impression de parler à mon trou du cul. Mais je suis concentrée, oh. Mais quoi que des fois, quand j'ai des gaz, il répond plus facilement mon trou du cul. Tu sais à qui je ressemble, hein? Au taré dans la famille Adams. Tu connais la famille Adams? Ouais. Ah, cool. Y'a quoi? Mais t'es un grand malade. J'ai trop envie de voir ce que tu fais. Oh, y'a un singe dans l'arbre. Pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans mes cils? Putain, de bouger là! Oh! T'es voilà! C'est pour ça que je filme! Pour prouver qu'il y a des tarés autour de moi! Non, mais les gens ils vont se rendre compte que c'est insupportable. De quoi? Tu fais que bouger. Est-ce que tu ne sais pas que si je peux découper, montrer qu'il y a que toi qui suis taré et moi non? Moi je vais montrer que je suis génial. Je vais montrer comme ça, genre très gentil. Et je vais pas montrer les moments où je suis horrible. Avec ta gueule là, on dirait un psychopathe. Alors, ouais, mais toi t'as pas besoin de maquillage. J'y arrive pas. Quoi, tu arrives pas? Tu fais ce que tu peux, c'est pas grave. Je vais juste m'énerver si c'est moche, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'arraches une tignasse là. Oh non. Mais t'es un putain d'oiseau. Non, c'est pas vrai. Tu vas peut-être avoir mal si c'est une pince à épiler, mais c'est pas grave. Une pince à épiler. Mais non, t'inquiète, laisse-moi faire. Mais qu'est-ce que t'essayes de faire là? Je sais pas. Ah non, bah moi non plus, là, je sais pas. Hein. Mais tu files du mauvais coton, Maurice. Hein. Oh mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me fait? Lui, il est complètement allumé. Là, s'il y a des maquilleurs pros qui veulent m'engager, moi, je suis disponible. H24. Et j'ai aucune notion, moi, j'ai jamais maquillé personne. Hein. Et il faut me mettre aussi des strass sur le cul. Et une gifle aussi, non? Mais arrête de bouger là!
Continue, t'as raison, ça filme. Aïe. Mais je t'ai pas touché encore. Oui, je sais, je suis exprès. Tu mettras le avant et après ou pas? Ah, tu mettras pas la photo. Comme ça, les gens ne sauront pas de quoi je suis parti. Ils vont critiquer, ils vont me dire, ouah, il y a le modèle genre bien, et là, il y a le modèle wish, quoi. Non, vraiment. Je le mettrai pas. Putain, arrête, putain. Moi, je te fous une foule tête, moi. Si vous le voyez derrière, là, il est prêt à s'énerver, là, mais il peut pas. On célèbre les morts, c'est pas la fête des morts. On célèbre, il célèbre, t'es pas mexicain. Mais tu joues grave ta vie, moi, si tu m'avais demandé de faire ça, ça aurait ressemblé juste à un caca, j'aurais fait deux ronds, et voilà. J'ai géré, je te jure, j'ai géré. Donne-moi le poncho. T'appelles ça comment? Le poncho. Poncho. Le poncho. Il est fou, lui. Hein? Tu peux te regarder. Bon, je filme ma réaction. Aïe. Oh, mais c'est gavé bien, mais tu sais que t'as... Oh, moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais réussi à faire ça. J'adore! Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, au rythme de la noche, Sancho Fiesta! Bon, bien ces petites lunettes, hein, on dirait un petit tueur à gages, on dirait que je vais aller dépeser 2-3 personnes. Là, il y a des crocodiles ici. Je suis pas reporter animalier, j'essaie de trouver des animaux, mais à part des piafs qui ressemblent à des corbeaux maigres. Ils diraient des corbeaux, mais genre, ils vont pas bien. Playa? Del Carmen, l'habitation de Carmen et la vacation de Carmen et c'est l'habitation. Mais on est où là? On va pas en sortir vivant de cette histoire là. Aïe Seigneur. Je sais pas où on est, mais là j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de touristos. Hein. La voiture, vraiment, elle a pris boutique, la pauvre bagnole. Bon, Non, par contre, non. Non, et hey, ça fait du bruit bizarre là, la voiture. C'est pas une voie. C'est une Jeep. Hein. Du coup, on a fini notre séjour à Playa del Carmen, à l'habitation et la location. Et là, on va à Isla Mujeres. Ils mettent t'as vu l'animal qu'ils mettent sur? C'est quoi? C'est des guépards? Wow! Donc, on entend le... Non, franchement, là, je vais chier. Solo voy con mi pena, solo va mi condena, correr es mi destino para burlar. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Poraré, oh, cantaré, oh, ne bru. Dipinto di bru ferize di stare razù e volando ferize in me quanto roba di male ma dopo domani non toccare il sormi entro nel mondo e sarò con te. I would like to have you dick. Can I? On commence par quoi quand on appelle? Hello. Oui, non mais hello, je voudrais manger. Hola. Ah, sorry. Hi, can I have the room service? So I need 2 beef burgers. And how much is the bottle of white wine? Can you repeat? 705 pesos. How much is a cerveza? Normal. One papas a la francesa. I don't understand. Okay, thank you. Mais papa a demandé le numéro de la chambre. Et je suis madame. Hein. Okay, miss. Super. Je te jure, pourquoi on me prend pour une femme? J'ai vraiment une voix tant aiguë que ça. Hi, I need 2 bottles of water. Hi. J'ai une voix de meuf. J'ai quand même un peu l'anglais, non? J'allais manger mon burger, putain. On est vraiment un américain, quoi. Et au Mexique, il commande un hamburger, quoi. J'arrive comment l'hamburger, là? Voilà les 2 hamburguesas. Adios. Buonasera. Que porque un hombre era poco mal, ya no se la ve sentimental. Dice que porco otro menos lora, no. Pero si le ponen la canción, le dan una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero el decepción será porque un tra está. Fingiendo que otro puede amar. Pero sin todo se le tiene no nada. Ahora soy una chachica mala. And now you're chinga and scratch. Ah, mais c'est de l'anglais, merde. It's a friend that's mala. Je pense que depuis le début de ce blog, vous disiez, mais qu'est-ce qui lui arrive à Nolito? Il a pas mangé McDo? Ben, c'est ça, je fais. Voilà. Mi amigo? Que l'habitation? Non, mais s'il vous plaît, regardez, on vient d'arriver dans le dernier hôtel. On est à Tulum. Non, mais regardez. Oui, il y a déjà le bordel. Et alors, là, il y a la salle de bain, toilette.
Oui, bon, mais c'est les aléas du direct. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a mon slip qui sèche. Ensuite, là, c'est la chambre. Là, il y a le salon, comme ça. Et là aussi. C'est beau. C'est beau. Regardez ça, comment c'est mignon. On va à une plage. C'est quoi? Playa Parrez. Regarde, on est en train de traverser la jungle. Pourquoi il y a des crocodiles? Il y avait une image de crocodile? Mais on est où, là? En fait, je sais pas vlogger. Hein. Moi, je sais pas quoi vous raconter. Hein. Il y a des arbres. Tu as dit que tu avais eu la chiasse ce matin. Mais parle-leur de la chiasse. Mais je vais pas leur parler de la chiasse. Ils ont besoin de savoir que tu as eu la chiasse. J'ai envie de leur dire que le voyage a été parfait sans problème transit ni rien. Il faut les faire rêver, les gens. Oh là là, la couleur de l'eau, mon Dieu. Vous êtes jaloux là? J'espère que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux, hein? Dans votre pluie là, les parigots têtes de veau. Ma haine anodon, ma haine anacodon. My anaconda don't want none unless you got bands. We don't name Troy, used to live in Detroit. Big dub did the budget, what to get us some coins. What's in chat was the law, but he live in a... Bonjour. Va te foudière, allez, ouvre-moi. Ouvre-moi, va te foudière. Bonjour, je vais prendre le taxi, je suis capable. Hein. Mais je pense que tu me connais pas. Qu'est-ce que tu Bon, on est où là? On a la cénote Lorenzo Zego Zigozo Comme des cons, on a oublié de prendre nos maillots, donc on regarde les gens sauter et on critique quand ils font des plats. Et là, on va essayer de faire une photo pour mon Instagram parce que c'est un peu une star du web en France. Il faut apporter du contenu. Ça va. Elle démarre mal, elle. Il a essayé de faire quelque chose, mais il n'a rien pu faire, le pauvre. Je pense qu'il a fait un peu trop de burrito. J'aurais pu faire pire, donc je vais me taire. Mais voilà, c'est le dernier jour. Ça chauffe tout bien. Moi j'en ai marre. Ces vacances sont passées trop vite. Je suis au bord du précipice et j'ai envie de pleurer, mais je me dis, je suis quand même partie en vacances, donc je peux pas pleurer. Je peux pas pleurer de revenir parce que j'ai quand même été en vacances alors qu'il y en a qui ne peuvent pas aller en vacances, donc je vais me contenir, mais intérieurement c'est difficile. J'ai passé un trop bon voyage avec mon pote, c'était super. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap, pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant, attention, hein, ça rigole plus.